to the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Oh-oh, oh-oh. Need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you weren't near. I cannot pretend that I do not care. Oh-oh, I keep asking why. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes mardi. On a eu un truc assez spécial cette nuit. Elias est malade, il a un rhume. Pourtant on n'est pas du tout sorti depuis vendredi. L'arrêt de l'école, on est resté enfermé à la maison où on a fait plein d'activités, tout ça. Et Elias a chopé un rhume, une toux. Et cette nuit il avait beaucoup de fièvre, il a fait des hallucinations. Il nous a vu des araignées au plafond et dans les toilettes. Il hurlait de peur, il était terrorisé, il voulait pas toucher les toilettes, il disait qu'il y avait des araignées. Et à mon avis, il a halluciné, il était à 39,2 de fièvre. Je pense qu'il a eu des hallucinations. Généralement, Elias réagit très fort à la température, où il a des tremblements, où vraiment il est frigorifié, il tremble comme jamais. Et il m'a fait des hallucinations, mais vraiment assez intenses, ça nous a beaucoup inquiété. Donc il a dormi avec nous. Je pense qu'il nous fait encore une otite. Donc là, ce matin, on n'a pas fait d'exercice, il est vraiment pas bien. Donc il regarde des petits dessins animés, puis il essaye de s'occuper aussi. Quand ça va un petit peu mieux, il se lève pour aller jouer un peu, mais c'est un peu compliqué pour lui aujourd'hui. Il est vraiment fatigué, Coco. Je suis quasi certaine qu'il a une otite, donc j'espère qu'on va réussir à soigner juste avec le sérum FI, parce que j'ai rien à la maison actuellement pour les otites. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il chope un rhume maintenant alors qu'on n'a rien fait. En plus, on est resté enfermé. Je suis dégoûtée en fait. On est resté enfermé, il se chope un virus quoi. C'est une blague, enfin bref. On est en train de faire des burgers maison, on a abandonné nos bonnes résolutions d'alimentation saine et équilibrée, sportive, etc. Faut le dire que si on reste enfermé, il va falloir se faire plaisir au niveau gustatif. Et du coup, on va manger des choses qu'on apprécie. On va continuer de faire nos petits abdos et tout ensemble avec Romain. D'ailleurs, je vous montrerai un petit peu nos petites séances. Mais on s'est dit que tant qu'à rester confiné, si on n'a pas grand chose à faire, vaut mieux se donner de bonnes énergies et se faire plaisir en mangeant des choses qu'on aime bien. Même si c'est de la malbouffe, c'est pas grave. Après, contrairement au McDo, on sait ce qu'on met dedans. Là, c'est des tomates, des oignons rouges, de la salade. Oui, c'est... on sait pas trop les sauces qu'ils mettent et tout ça. Donc, ouais, on met ce qu'on veut dedans, c'est clair. Et ben, je tiens à vous dire que ce burger, il est trop bon. Et ça faisait super longtemps. C'est parce qu'il est préparé avec amour. Ouais, tu fais ça super bien préparé. Et j'ai vu, il y a beaucoup de choses qui sont plus dans les magasins, mais il reste tous les paquets de raclette et tout, les charcuteries. Mais on va se faire des raclettes, nous. Hein, Romain? Des raclettes, des trucs comme ça. Voilà. Are you ready? Are you ready? Yes. Yes. Ça veut dire est-ce que tu es prêt? Là tu dis oui. Et c'est yes pour dire oui. Oui. Allez, c'est parti. Donc j'utilise le vocabulaire de l'espace. Oh, à tes souhaits. Sûr. Tu écoutes bien? C'est notre soeur, c'est maman. Bah ouais, je suis sa maîtresse. On fait l'école à la maison un petit peu. Donc. Et après, il ne tient pas. Après, tu vas aller à la récré? Dehors. Non, parce qu'aujourd'hui t'es malade mon chouchou, donc faut que tu restes au chaud. Mais promis, dès que t'es guéri, tu pourras aller jouer un petit peu, ok? Allez, tu écoutes s'il te plaît. Faut se concentrer, d'accord? Tu regardes bien. Donc je vais t'expliquer. Souriceau et Souricette préparent la table du petit déjeuner. Colle les croissants et la confiture sur la table. Alors ça c'est quoi la confiture? Elle est quelle couleur la confiture? Chou. Rouge. Oui. Donc tu colles, super. Et il leur faut quoi aussi pour prendre le petit déjeuner? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi, des croissants? Un croissant. Un chacun? Oui. Et moi, un pour Souriceau, un pour Souricette. Et tu es là? Deux, oui. Tu es prêt, on passe à la suite? Oui. Alors, j'associe deux images identiques. Tu vois? Écoute bien Elias, il faut vraiment te concentrer. Alors là, il doit colorier le paquet de céréales et il a bien trouvé. C'est bien Elias, bravo. C'est bleu. C'est bleu, ouais. C'est un paquet de céréales bleu. C'est un paquet de céréales au chocolat. Mais moi aussi, moi aussi. C'est vrai, toi aussi tu manges des céréales au chocolat. Eh ben dis donc, tu t'appliques, hein.
C'est beau, hein. Est-ce que t'es prêt? Tu sais ce que tu vas devoir faire sur cette page? Tu vas devoir apprendre une comptine et faire les gestes. Okay. Tu vois, là, il y a les gestes. Regarde, tu vois, Sourisseau, il fait les gestes. On va devoir l'apprendre. T'es prêt? C'est pas oui. Alors, tu répètes. La confiture a coulé sur mes joues. La confiture a coulé sur mes joues. Alors tu dis, la confiture a coulé sur mes joues. Elle a coulé sur mon nez, sur mon cou et sur mes mouchoirs. Bravo! Alors t'es prête, tu l'as dit? La confiture a coulé sur mes joues, sur mon nez, sur mon cou, sur mes pieds. Ouais, bravo. C'est bien, on refait? On fait vite maintenant. La confiture a coulé sur mes choux, sur mon nez, sur mon cou et sur mes pieds. Très bien, check. T'es fort. Donc, Alors attention, je vais faire la correction de tes devoirs. Hein? Madame, elle va voir si t'as eu tout bon, hein. Est-ce qu'on met des petits sourires? Des petits bonhommes qui rigolent si t'as eu bon? Ça te fait rire? Un petit sourire comme ça? Alors, est-ce qu'Elias il a eu bon là? Oui, très bien, on met un sourire. Hop, un bonhomme qui sourit. C'est moi? Oui, et est-ce que là t'as eu bon? Oui, t'as eu bon, on peut mettre un bonhomme qui sourit. Bravo. Que tu veux, je vais t'acheter des images. Tu veux des images? Comme à l'époque, ouais. C'est vrai. Au bout de 10 images, il aura une grande carte. Et au bout de 10 grandes cartes, il y aura un cadeau. Ouais. Allez, une... Là aussi, c'est bien. Bon, là, c'est bof. Hein. Bof, bof. Là, t'as fait des trous grands frais, là. Mais ceux-là, sont bien. Ceux-là, c'est bien. Donc, là, on met un sourire ici. Un sourire ici. Et là, on met un bonhomme qui pleure. Il est pas content, lui. Regarde, t'as fait des grands traits. Mais t'as quand même eu des sourires, hein. Tu l'as quand même réussi. 2/3, c'est bien. Bah oui. Tu feras mieux la prochaine fois. Faut qu'on va faire que des petits traits. Hein. Ok. Alors là, t'as eu tout bon. On peut mettre un sourire. Ici, t'as eu tout bon. Sauf ici, fallait pas colorier. T'as commencé à le colorier, celui-là. Du coup, on met un bonhomme neutre. Neutre, genre comme ça. Ok. Et voilà. Mais lui, on met un petit sourire et lui, on met un petit sourire. Comme ça, t'as des petits sourires. Ok. C'est quand même très bien. C'est très bien. Mon cœur, c'est bien déjà. T'avais colorié ces deux-là. Lui, il faudra plus colorier. Il faut bien regarder les images. Pour réussir, ok? Allez, c'est la récréation. Il en perd pas de miettes. Bon, voilà, on a fait quelques pages de son petit cahier. Il s'est bien concentré malgré le fait qu'il ait été malade et qu'il soit toujours malade. Je pense que la température va remonter ce soir. Je suis contente, il s'est bien concentré. Il a réussi tous les exercices qu'on lui a demandé. Donc, c'était agréable de faire ça tous les deux. Là, il est en train de faire des puzzles. Des puzzles. Voilà, il adore faire ça en ce moment. Donc du coup il fait tout ça et puis après on fera un jeu de société un peu plus tard un peu éducatif. Et comme ça il aura eu des petites choses aujourd'hui à faire. Demain je prévois de faire des activités manuelles pour changer. On va essayer de diversifier un petit peu les activités. Et puis voilà. On peut essayer. Il est beau ton puzzle. Mais c'est difficile. Tu trouves? C'est pas trop dur? Non. Non, ça va? Tu t'en sors? Oui. C'est bien, maman. Un petit message aussi pour vous dire que nous, on connaît bien le confinement. Pendant 5 ans avec Eden, on était confinés très très régulièrement puisqu'il avait des gros soucis respiratoires. Il arrivait qu'il manque d'oxygène, qu'il ait besoin d'être constamment branché à des saturations, à de l'oxygène et qu'on ait besoin d'aspiration, etc. Donc, et même pendant les périodes de gros virus, que ce soit les épidémies de gastro, de grippe, et ben généralement on évitait de sortir et puis on évitait que les gens viennent à la maison.
Je faisais souvent enlever les chaussures, laver les mains aux gens qui rentraient et même voir, j'évitais qu'ils viennent tout court parce que bah, on avait peur qu'à chaque épidémie, ce sont des enfants qui sont extrêmement fragiles, qui ont un système immunitaire extrêmement faible. C'est sûr qu'en cette période-là, Eden nous aurait quittés s'il avait eu le coronavirus. Donc voilà, nous on aurait vraiment été très paniqués en cette période, mais c'est une période de confinement qu'on connaît. On a eu une vie sociale très très limitée pendant 5 ans, d'ailleurs on a perdu contact avec beaucoup de nos amis durant cette période-là. C'est vrai qu'on s'est beaucoup isolé pendant 5 ans où on a préféré être dans notre bulle et vivre les instants avec notre petit bonhomme. On voyait personne, on restait isolé pendant des semaines, voire des mois sans sortir. Donc on connaît très très bien cette situation, puis on le prend un petit peu comme un message. De se dire que voilà, que finalement notre combat il nous a appris beaucoup de choses, puisqu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation où on est confiné, mais on le vit pas mal du tout parce qu'on a eu l'habitude de vivre comme ça. Ça faisait plusieurs mois qu'on n'avait pas vécu ça, et on se rend compte que c'est toute une épreuve d'être enfermé à la maison, de faire ce qu'on, de pas voir personne et juste d'être en famille, et que on a vécu ça pendant 5 ans et on s'est jamais plaint une seule fois de cette situation. Et voilà, et du coup juste pour vous dire ça, qu'il y a des milliers de familles dans le monde, en France, qui vivent ces situations-là tous les jours. Puis sachez aussi qu'il y a des enfants qui n'ont pas la capacité de bouger et qui sont confinés dans leur propre corps. Eden était confiné dans son propre corps et il n'avait pas la possibilité d'utiliser ses membres. Il avait besoin de nous à chaque instant. Et c'est un confinement bien pire de ce que nous on vit actuellement. Donc c'est ça aussi qui me fait relativiser, de se dire qu'il y a des personnes qui sont confinées dans leur propre corps et qui sont comme ça à longueur de temps et toute leur vie. Donc faut le relativiser sur tout ça. Et du coup je vous invite à vivre sereinement ce confinement, puis à faire plein d'activités, à vous retrouver les uns les autres. Voilà, nous c'est ce qu'on fait actuellement et ça fait du bien de vivre un petit peu... juste à la maison et de faire des petites choses et de dormir plus longtemps le matin. On se prend pas la tête, nous on se met pas d'horaire, c'est l'occasion de dormir plus longtemps le matin, de faire les petits exercices, de pas se donner de planning finalement ni d'horaire. Voilà, ça fait du bien. Enfin bref, je pense très très fort à toutes les personnes, en fait je le répète depuis plusieurs jours, mais c'est quelque chose qui me touche énormément et en fait rien que m'imaginer avec Eden dans cette situation, et ça me fait les frissons, ça me met la panique au cœur, et du coup je pense à toutes les personnes qui vivent cette situation, qui sont actuellement avec des enfants très très malades, avec de gros troubles neurologiques ou des maladies très très graves, et je pense à vous parce que vous devez vraiment pas être bien actuellement, et du coup je pense très très fort à vous. Je vous souhaite beaucoup de courage et je souhaite du courage à tout le monde. Enfin bref, juste un petit message comme ça pour rappeler l'essentiel, et je vous dis un énorme bisou, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter sur les divers réseaux sociaux. On se dit ciao ciao.